suite un deuxième épisode de Section de recherche. Enfermé dans la chambre froide, le meurtrier lui a laissé aucune chance. Il y a des photos dans son ordi. C'est Christian Chéron, l'inspecteur du guide du Mont. C'est lui qui lui a remis la toque. C'était l'amant de la victime. Vous avez rien remarqué quand vous étiez avec elle ces derniers jours. Son ex-mari, l'avocat. Arrêtez pas de l'emmerder. Je te parle. Hier matin, Sophie a déposé une enveloppe à son ex-mari. Je sais ce qu'il y avait dans l'enveloppe. 15 000 euros en liquide. On prévient la brigade locale qu'ils essaient de l'intercepter. On fonce la main.